Allez, bienvenue dans la grande embarcation 95.FM, 3FM, la voix du paysan, amis fidèles, auditeurs, auditrices, fanat de cette émission MPM, mot pour mot, pour 55 minutes de voyage, de divertissement, de découverte de talent. Et c'est ici à la radio Planète Plus. L'équipe sacrée, sucrée, les faiseurs de mots déjà en place. La reine Ibanez et Issemi Ijoye. Bonsoir cher, comment est-ce que vous allez? On va très bien. Ok, et là, le week-end? Le week-end s'est passé. Cette émission est pour vous. Donc, vos dédicaces et vos réponses charades sur le 411-17-62-37. Au contrôle du son, l'homme de main, Anna Enya Defou. Au micro, Mr. Safson Afobuka Za. Est-ce que ça va? Ça va très cool. Ok. Dédicace de personnes, les fans de cette émission. Ma première dédicace va à ma charmante confidente et Jodie Kondi. Elle s'appelle Ruth Juliette. Et la seconde va à mon collègue, monsieur le surveillant, monsieur Eto. À Noumetou Kondi. Fans de cette émission. Et à Ibanez. Et ma dédicace à Avogan Cephas depuis Tovi. Oui. Et à Potogbe Sherifa à Alhamdou. Les fans de cette émission, je dédie la chanson qui va suivre à John depuis Noumeti Kondi et à Karim Benzema depuis Mokola. Elle, la drogue très nuisible à l'homme. Elle nous détruit mentalement. Et des fois, nous amène à commettre des crimes atroces. SMS SOS de Maoulé M4S sur la 95.3 FM Planète Plus. Bienvenue, si vous nous écoutez, c'est l'émission MPM. Restez scotché jusqu'à la fin. Le son pour votre plaisir d'écoute. Enregistrez un message. Tapez 4. Veuillez entrer le numéro de la boîte de messagerie, puis tapez étoile. Pour terminer l'enregistrement, tapez 0. Pour commencer l'enregistrement, tapez 0. Envoie ce SMS à toute la famille. Envoie ce SMS à tous les amis. Petit frère, je crois que ce soir, j'ai tué mamie. J'ai tué mamie. Tout a commencé avec le divorce de nos parents. J'étais au lycée, je n'avais que la drogue pour seul parrain. Il paraît qu'au début, ce n'était qu'un jeu. Avec les amis, on s'amusait avec le feu-feu. À la maison, c'est des disputes avec mamie. Elle, c'était ma petite amie. Elle s'appelle Marie, Juin, Marie, Jeanne, Herbe, Pétard, Bio, tout ce que vous voulez. Je te parle de la Marie, Joanna. J'ai commencé avec elle en cachette. Vu que fumer est parfois dangereuse comme une gâchette. Elle te fait planer juste avec une bûchette. Et dans ta tête, tu deviens un lance-roquette. Enquête de plaisir, rechercher à toucher l'horizon. À l'école comme à la zone, j'ai perdu la raison. LSD, cocaïne, dans la tête c'est la dépendance. Un peu d'indépendance, j'ai giflé mon prof de science. Cannabis ou cannabis, sucré souvent te bis. Et ça craint car ça devient une canne à vie. Sûrement avec cette canne à vie, tu marcheras de cas. La vie a zébévi. Moi si jeune, je marchais comme un somnambule. Dans les nuages, restais seul dans ma bulle. Amphétamine avec amphétamine, kétamine avec du crétamine, mescaline, même amphétamine, je les connais tous. Mais le plus dangereux de tous, je les sous-estime. Toujours d'actu. N'est jamais périmé. Pareil inoffensif, je crois que les plus cool. J'en prenais même à l'école. Je te parle de l'alcool. J'ai touché à Marie-Jeanne. Après
après c'est l'alcool. Un peu de cigare et c'est parti, je décolle. Enfin je crois que je déconne. 23h30, je rentre seul d'une soirée. J'avais la gueule assez bourrée. Juste une dispute et j'ai grogné maman avec un tabouret. Elle est tombée sur le sol couché dans une mare de sang de sang. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'elle est morte. Ce n'est pas décent. Au secours, je crois que j'ai tué mamie. J'ai juste besoin d'un confident ou d'un ami. Je n'ai même plus la force de marcher ou de me tenir. Appeler une ambulance, je crois que je vais mourir. Peut-être que tu ne me reconnais plus à toi. SOS, SMS, acclamation pour lui. SOS, SMS, c'est Maoulé M4S. Il nous parle de la drogue, marijuana, cannabis, héroïne, amphétamine. Les drogues nuisibles à la santé, ne les prenez pas. Merci à M4S pour ce merveilleux son. Itel Mobile P37, il nous accompagne avec de petits cadeaux pour les candidats et les auditeurs fidèles à cette émission. Il a fait sortir un portable, un nouveau portable P37 avec une grandeur, grande mémoire 32+2 et grande batterie 5000 mAh. C'est chez les partenaires Itel Mobile. Nous allons avec le jingle et nous allons revenir. Jingle de l'émission. Yeah. Mot pour mot, c'est avec Safson Afoubouko, Ozan et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotché, amis fidèles auditeurs. Nous allons parler charade. Notez bien, mon premier est un adjectif possessif, déterminant, féminin singulier. Mon deuxième se présente à l'état de fluide et compressible dans les conditions normales de température et de pression. Mon troisième n'admet point de pluralité. Mon tout est un lieu où l'on réserve. Qui suis-je? Je reprends pour vous. Mon premier est un adjectif possessif, déterminant, féminin, singulier. Mon deuxième se présente à l'état de fluide et compressible dans les conditions normales de température et de pression. Mon troisième n'admet point de pluralité. Mon tout est un lieu où l'on réserve. Vos réponses au 91 17 62 37 SMS comme WhatsApp. S'il y a plusieurs réponses, sachez que nous allons considérer l'heure à laquelle la personne a envoyé la réponse. Chroniqueur, Iba, est-ce que tu peux me dire la couleur de l'habit que Issy m'a porté la fois dernière pour l'émission? Oui. Non, tu ne sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vois? Et Issy, est-ce que tu peux rappeler l'habit qu'elle a porté? La couleur? Elle t'a bien pagne. Zéro. Vous voyez, vous n'êtes pas observateur, vous avez 0-0. Ça fait 0 bâtonnets pour vous deux. Nous allons aller à la rubrique number one. Jingle, tasse de verre, c'est tout de suite. Les tasses de verre, vers le maître des verres. Donc le vent nos verres pour divers, vers le calembour. À la santé, tchin-tchin. À la santé, tchin-tchin, c'est dans la rubrique. Tasse de verre avec Issimi Ijoy. Issimi, comment tu vas? Safson, je vais bien. La cuisine, ça s'est bien passé? La cuisine, elle s'est bien passée. Elle nous présente des ingrédients comme un bonjour et un bonjour. Waouh, ça va donner. Je fasse et je fasse. Yes. Mensonge et mensonge. Oui. Civil et civil. Oui. Deux semaines et deux semaines. Oui. La suite vous sera présentée par la déclamation. Ok, merci. Les ingrédients vous ont donné et voilà que avec l'accompagnement de la technique Instru 1, on va savourer ce jus verbal avec Issimi Ijoyi. Issimi Ijoyi.
Je lève alors divers, divers, univers, l'univers des vers, vers. Ce sont mes sages qui me donnent ce message, riche mais sombre. Il faut que j'efface les ombres et que je fasse une histoire du monde. Un bonjour, Monsieur Badjo me fait un bonjour avec du mensonge comme histoire. Je mensonge, ça a l'air d'un salaire suspendu entre les chefs et les civils. Il dit, depuis deux semaines, les deux semaines a un but partout dans le monde. Parmi les civils habitant les dernières six villes du bas d'un pays, un monsieur se bat et crée du vent cher qui se vend et qui pique dans la chair comme un qui pique dans le dos d'une maman. En effet, l'effet de l'atmosphère tendre ne lui a permis que de tendre la main à la joue d'un président, président l'échec, pour se détendre et détendre sa fierté avec justice qu'à la joue. Je me souviens qu'ici aussi, il suffit aussi village, mais il suffit que la police police l'air à moins de silence pour que le silence revienne. En fait, on sort les gaz et les civils gaz à pied. Jusqu'au samedi prochain, sur les ondes de la 95.3 FM, dans la rubrique Calembour par M. Issimi Idjoye. Issimi Idjoye, le sacré, l'homme des verts. Issimi, j'espère que fidèle auditeur, auditrice de la radio Planète Plus, la voix du paysan, vous avez aimé ce jus verbal de Issimi Idjoye. Issimi, respect à toi. Merci bien. Bonne continuation. Et je sais que dans les jours à venir, tu vas nous donner plus que ça. Merci. Car ici, il n'y a que des mots que nous vous offrons. Nous allons aller à la pause musicale. Vous savez, les deux chroniques que vous avez, il y a des hommes qui font la cour en désordre aux filles dans la rue. Et quand le respect n'est même pas là, quand ils voient une fille, Satan. Donc, il y a ce talent-là qui leur dit Oléos, Toubédia Ojessia. Prophète Sansi, Nyonounia, sur la 95.3 FM, la voix du paysan, pour votre plaisir d'écoute. Le son, c'est maintenant. Doto, Doto, Enya, Seda, RF Proud. Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo. Ibo alote, nenye me pin, da jalabe ya pi. Ibo alote, nenye me pin, da jalabe ya pi. Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo, Nyonounia la wilo. Olewos. Tubeje wa ojisia Oleyo obeya wa jan De kade o dotia Davi wa divi de kana boutikie de le tom de Eva dive na vina proviseur de chan le be Davi wa nti colonel de dame tu Eye ntike depute de la me tu Ticha de tipo be e fonyon u banjo Suku nuzio soko nusion la klosa kabo Eble joani o le dendi e du gano kaka kwajo Nous sou ho ho va le fanvi Benyon nou vi wan zambo Atosan, adisa, anwaha, aswe baha Adwazan, akonu kaka, adoha, yeni ha Toube djen wan mou on ador, vwaha na bo E zana ga mdo na jo, vwaha ya ho Ye ole wos, toube djen wan o jesia Ole yo obe ya wa jan, de kadye o do tia Nyonu nya la wilo, nyonu nya la wilo, nyonu nya la wilo, nyonu nya la wilo, nyonu nya la wilo Ibo alote, nenye me pin, da jalabe ya pi Ibo alote, nenye me pin, da jalabe ya pi Nyonu nya la wilo, nyonu nya la wilo, nyonu nya la
wilo nyonu nyala wilo nyonu nyala wilo olewos tubeje wa odisia oleyo obeya wa jan de kadje odotia ame wa lo ibano sodasi sibeti mati elle si beau so essence dasi va ole tomatesi ole ko anwa ku soutien si benou bleble ole di la so 21 so single single yo anon wa lancé gogo wa on a jeu brutal a clito wa on a blessé au tedo gilet par balle simple démarche et bien patale wa tan boîte à caca be cinéma au quoi au limitant mito nou bachan jeu de fesse coure bon des cadjes ena bien agbe o le jadon et bien le sous tension pas le kebele mli wo beaucoup pas tension o la stress si be yokumi o le wos tu be je wa o jesia o le yo o be ya wa jan des cadjes o dotia o le wos tu be je wa o jesia o dotia o dotia. Prophète Sansi, l'un des meilleurs slameurs qui a participé au Togo à la Coupe du Monde Slam. Il a représenté dignement le Togo. Respect à toi, mon prophète Sansi, de là où tu es actuellement. Et nous allons continuer. Nous allons continuer après ce jingle. Nous allons continuer. C'est sur la table. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la 95.3 FM, la planète plus. Au platine ce soir pour vous, Sapson Afobkozo et sa team. Et Sapson Afobkozo et sa team, ici mi. Vous êtes artiste, poète, slameur, écrivain, romancier, littéraire, orateur, conteur, djembéiste ou scénariste, vous voulez parler de votre carrière artistique ou de vos nouvelles sorties, contactez-nous, c'est votre émission. Et si vous êtes une association, une structure, une boutique, une entreprise, vous voulez communiquer sur vous ou sur vos différents produits ou encore être sponsor à cette émission MPM, contactez-nous au 91 17 62 37. Et vous serez servi. Nous allons sensibiliser comme il se doit, coronavirus, Issimi Ijoy. Les gestes barrières, se laver les mains régulièrement avec de l'eau, du savon ou se désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Tousser et éternuer dans son mouchoir ou dans le pli de son coude. Se saluer, mais sans se toucher, sans se serrer la main et éviter les embrassades. Rester à distance d'au moins un mètre les uns des autres. Ne pas se toucher ni les yeux, ni le nez, ni la bouche. Porter un masque et tous les jours, à chaque fois que vous êtes en public. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le numéro vert 111. 111 en cas de besoin et... Préveillez vaut mieux que Gali. Ouais, c'est sur la 95.3 FM Planète Plus dans l'émission MPM. Nous allons maintenant passer à la rubrique numéro 2, jingle. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes, au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles, auditeurs, auditrices de cette émission MPM. Au royaume des mots, les mots... Claque. Au royaume des mots, les mots... Claque. La plaque du jour avec Ibanez, c'est quoi la plaque du jour, le titre? On va parler de la souffrance d'une femme. La souffrance d'une femme, waouh. Avec la complicité, maintenant il y a des fous. Femme brisée, femme violée, femme morte. Femme brisée, femme violée, femme morte. L'horizon au loin. L'horizon au loin est emprisonné par des nuages gris et prospères. La mer se noie dans des vagues grises terrifiées. Le vent gémit des murmures silencieux. Enfant, j'étais femme pour mon père. Femme brisée, femme violée, femme morte. Chaque soir, des pas glaçants chuchotent dans ma chambre, je ne dis mot. Mes yeux se fanent dans un tourbillon de douleur. Plus son souffle s'élonge, plus mon corps se nue.
femme brisée, femme violée, femme morte. Oh, juge défenseur des âmes perdues, violées et mortes. Écoute-moi, enfant devenu femme, la poitrine encore vierge. Écoute-moi, enfant devenu femme dans un corps de 8 ans. Les deux femmes assises devant vous sont mortes. Le meurtrier, elle se peur, le meurtrier, elle se marie. Femme brisée, femme violée, femme morte. Je voyais ma mère le soir tremblante allongée sur son lit. Sa robe blanche grippée de sang rougeâtre comme la brise rouge. Des lignes bleuâtres, violâtres, noirâtres couvrent son corps blanchâtre. Ses yeux bleus fixés au plafond, elle ne dit mot. Femme brisée, femme violée, femme morte. Ce père dont la passion des vins attisse le corps brutal. Ma mère dont les rêves flamboyants florissants sont de tout. Moi, enfant à qui on a volé sa virginité, son innocence tôt dans la vie. Oh, justice, écoute-moi. Femme brisée, femme violée, femme morte. Fatima Bako. Wow. Fatima Bako. Femme, hommage aux femmes. Ça fait pitié. Cette dame-là qui souffre à longueur de la journée. Et ces hommes inconscients qui violent les petites sœurs, les petits-enfants, nos petites sœurs. Et même de surcroît, ceux-là qui violent leurs propres enfants. Oui. Que Dieu nous en préserve, que ce test apaise le cœur. Nous allons nous relancer à la pause musicale avec le titre qui vient. Ce gars, surprise, écoutez le son et vous saurez de qui c'est. Il n'est pas présenté. On y va. Comme Mr. Lover. Dice. Dice on the Prince. Kounyam keleti akonyonde. Sodo kunyene, ere kapeto. Ela goko ama queen. Dogo nyonu suba, wari pe muno nyira mo. Tukara jiro wo bang 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 ye kono na ni. Kusoka keme ye uda kwenye me, mukpa te tro. Kine jeme, kume mudwe jesibe. Wengi sebe sronye. Ouais, c'est sur la 95.3 FM, la voix du paysan,
Le titre c'est CC Messron avec Dice Brun. Et avant de découvrir l'invité, dans le royaume tout est dressé, des mains un peu partout, des guitaristes, des tambouristes qui sont là autour. Nous allons avec la complicité de la technique, l'instru, la carte visite de l'invité. Carte visite de l'invité. De son nom à l'état civil, Kounetron Komla Nwagbe. Et avec la musique, il devient Dice Brain. Dice Brain est né en 1992. Orphelin de père depuis le 13 janvier 2008, il est originaire de Pélébémé. C'est un jeune entrepreneur polyvalent qui a un talent fou. Informaticien, infographiste, technicien, en panneaux solaires et en parallèle, arrangeur, beatmaker et réalisateur. Dice Brain a grandi à travers plusieurs villes du Togo. C'est en 2004 qu'il arrive à Kpalime avec ses parents et s'est inscrit au CIG Kodi. En 2007, il s'est rendu compte qu'il avait un autre talent qui somnolait en lui à part l'informatique et l'électrotechnique qui sont aussi une grande passion pour lui. C'est alors qu'il débute la composition des morceaux et s'entraîne de temps en temps pour s'améliorer sans pour autant laisser de côté les études. Et c'est en 2010 qu'il sort son premier single titré La Vie, en featuring avec l'artiste Jean-Paul, aujourd'hui appelé JP The Worshipper. En 2012, il réalise qu'il n'a pas seulement le talent de chanter, mais aussi pour composer des instrumentaux, communément appelés beats. Puis depuis lors, il s'amuse à composer des mélodies sur son téléphone Java grâce à l'application Vibes. Et c'est de là qu'est partie l'idée de créer un home studio afin de parfaire ses connaissances. Ainsi est né le Silex Music, qui deviendra plus tard Dice Music. Après son bac D en 2013 au lycée de Kpoji, il poursuivit ses études à Lomé où il opta pour le BTS en communication multimédia des entreprises. Pendant ce temps, il faisait évoluer son studio à petits coups et se faisait connaître de mieux en mieux. Après le BTS, il fit un stage de 3 mois auprès de la société Image Communication en 2016. Puis son dynamisme lui faudra d'être embauché par la même entreprise en tant qu'assistant chargé de communication, responsable du suivi des commandes de travaux d'infographie, de gestion des bases, des données et de facturation. En juillet 2017, il fut l'un des pionniers du Salon international des banques et des entreprises, qui eut lieu au sein de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC à Lomé. En septembre 2017, il revient à Kpalime pour y installer son studio sous le nom de Dice Music, avant de quitter le Togo pour le Ghana, où il effectua d'autres stages afin d'approfondir ses connaissances. C'est en 2018 qu'il revient pour s'installer définitivement à Kpalime afin de contribuer au développement de sa communauté, d'autant sur le plan culturel qu'économique, et participer à l'éclosion de la musique du Grand Kloto et celle de Kpalime en particulier. Ce qui d'ailleurs est l'un de ses premiers objectifs. Il s'y met à fond au boulot au point où il savait plus assez de temps pour enregistrer ses propres chansons. Rapidement, il s'est fait connaître et s'est fait une place dans la sphère musicale du Grand Kloto.
En février 2021, il reçoit le prix de meilleur beatmaker au Kloto Awards 3e édition. Au cours de sa carrière musicale, qui fait déjà 11 ans, il a enchaîné plusieurs singles dont le morceau phare est titré « Semestrant ». La plupart n'a pas encore été lancée. Le studio Dice Music a déjà produit plus de 800 chansons, plus de 150 artistes et plus de 700 beats. Dice Brain, étant un entrepreneur rigoureux, dévoué et très ouvert, il aime le partage de connaissances et les échanges d'idées. Dans sa structure dénommée Dice Brain Work, il donne également des formations en informatique, en infographie et en production audiovisuelle. Dice Brain possède des qualités de leadership. Il est très réactif, sociable et très ouvert. L'invité dans la Palace Royale, soyez le bienvenu avec tous les honneurs. C'est un titan, vous avez remarqué, amis fidèles auditeurs, que sa carte de visite regorge de gros mots et un travail acharné. C'est un homme qui ne dort pas, c'est un homme battant, c'est un gars qui fait tout pour aider ses prochains. Lui, je l'ai connu, moi-même je suis passé dans ce studio et je crois que c'est un gars à féliciter. Bienvenue encore une fois, Mr. Brown. Merci beaucoup, Safson. Tu es fatigué, je sais, mais j'ai tout fait pour que tu arrives et c'est normal. Là. Oui. Donc, les fidèles auditeurs et auditrices veulent t'entendre. Comment tu vas? Je vais très bien, Safson. J'espère que la technique, ça va. Ok. Dis-moi, ton tout premier, on va attaquer en même temps avec, parce qu'on te connaît, ton tout premier single, La Vie. Comment est-ce que est né ça? Le featuring, comment est-ce qu'est né le featuring là? Eh bien, je dirais que avec Jean-Paul, on s'entraînait de temps en temps. Et donc, j'avais eu l'idée de faire une composition. Et je lui en ai parlé. Et du coup, lui aussi, il était intéressé par la mélodie. Et donc, ensemble, on a composé ça. Et puis, voilà. Et Dieu merci, on a trouvé un peu de fric et on est passé chez DJ Premier. Et en ce temps, c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps. Okay. Ouais. Et c'est parti comme ça. Voilà. Et maintenant, pourquoi avoir changé? Parce que dans ta carte de visite, on a entendu. Pourquoi avoir changé Silex, qui était le nom de ton tout premier label, et en Dice Music? Eh bien, quand j'étais à Lomé, en fait, j'ai constaté qu'il y a un artiste qui se faisait tout drouille appelé Silex. Oui. Eh bien, pour ne pas prêter confusion, alors j'ai dû carrément changer pour que je sois carrément démêlé de cet artiste-là. Okay. Donc, c'était là l'idée. Et maintenant, avec Silex Music, combien d'artistes à peu près ont sorti le son de ce studio? Eh bien, je pense s'attirer vers les 50, puisque Silex Music n'a pas duré avant que je change ça en Dice Music. Ok, ok. Maintenant, comment est né le nom Dice Brain? Eh bien, Dice Brain, c'est un nom que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est en anglais. Et secondo, ce n'est pas juste un nom qu'il faut comprendre littéralement. Oui. Il faut comprendre ça sous une métaphore. Et donc, dice en français, ce sont les dés. Okay, et quand on parle de dés, on parle de hasard. Okay. Et c'est dit que on ne prévoit rien dans cette vie. Oui. Nous ne prévoyons rien. Et sachant que lorsque les dés sont lancés, il n'y a plus de retour en arrière. Et donc, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais bien en même temps. Ok, ouais. Ça c'est bien ça, dit. Merci, Dice Brown, c'est le nom, j'aime ce nom-là. Maintenant, pourquoi avoir, tu vois, en tout temps, dans ta carte de visite, on a cru que on t'avait engagé en tant qu'assistant. Voilà. Maintenant, dis-moi, est-ce que l'argent de beatmaker et artiste te suffisait? C'est pourquoi tu as laissé totalement pour te consacrer dans la production de la musique? Ok, eh bien, vous savez, au Togo, c'est...
C'est pas parce que on travaille qu'on est bien payé. Vraiment. Vous savez, on s'efforçait à faire. C'était à, en fait pour acquérir assez d'expérience. Et je me suis laissé aller. J'ai travaillé beaucoup pour cette entreprise. Je suis bien avec le directeur. Mais il fallait que je crée ma propre structure. Parce que c'était ça mon ambition, en fait. J'avais pas l'idée de travailler pour quelqu'un pour toujours. Mon ambition, c'était de créer ma propre entreprise aussi un jour. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de réaliser. Et dis-moi, bon, combien de clips à ton actif? Eh bien, Des Bruin, c'est quelqu'un qui est très souvent... il aime toujours rester derrière la caméra. Et donc, j'ai juste fait un seul clip pour moi-même, mais réalisé pas mal pour d'autres artistes quand même. Et moi, mon meilleur clip et meilleur beatmaker de l'année, Kloto Music Awards, est-ce que ça dit, c'est toi le top à Kbalimé ou que, comment? Non, c'est pas dit que je suis le top à Kbalimé. Vous savez, dans ce genre de nomination, c'est celui qui a en fait marqué l'année. Et donc, c'est ce qui a été fait. Sinon, il y a d'autres aussi qui font du bon boulot. Bon, est-ce que, bon, chroniqueur, vous êtes là, vous allez nous aider en même temps. Est-ce que le métier, on peut-on considérer être artiste comme un métier? Toi, tu attends, Issimi, tu réponds d'abord. Est-ce que, au Togo, c'est-à-dire qu'on peut dire métier d'artiste, c'est un métier? Est-ce que c'est un métier, être artiste, c'est un métier? Du point de vue général, comme on le dit, et du commun des mortels, le métier d'artiste n'est pas encore un métier parce qu'on ne reconnaît pas le talent de l'artiste. Pour le moment, on ne reconnaît pas encore le talent de l'artiste. Mais pour l'artiste lui-même, il reconnaît que c'est un métier parce que sa passion est, même si on ne lui donne pas un franc, il contemple, il se réjouit de son œuvre et puis il est satisfait. Et c'est de là que la divinité bénit. Et selon Iba, est-ce que être artiste, selon toi, dans ton entendement, est-ce que c'est un métier? Je suis d'accord avec Issimi. Oui. Parce que, en fait, même si on paie la personne, et s'il gagne même de ça, ce qu'il donne, c'est plus que ce qu'il reçoit. Oui. En fait. Ah, c'est pour dire que l'œuvre, l'œuvre ne peut pas être achetée, en fait. Maintenant, nous allons écouter maintenant Dice. Est-ce que artiste, c'est un métier? Eh bien, je dirais que être artiste peut être un métier. Oui. Je dirais que c'est un métier parce que on peut vivre de son art. Oui. Quand vous faites un travail, c'est pour en fait obtenir un gain de cause. Oui. Et créer une plus-value. Et donc, si cela vous permet effectivement de créer cette plus-value, alors c'est un métier. C'est un métier, c'est pas, c'est parce que au Togo, ça marche pas qu'on pense que non, c'est pas un métier. Dans, sous d'autres cieux, je vous assure, c'est un métier à part entière pour certains. Ok. Voilà. Là, il faudrait que l'État togolais, l'État togolais arrive à considérer le travail des artistes. Et leur permettre de vivre aussi avec cet art qu'ils aiment tant. Nous lançons l'appel à ceux qui vont nous le faire. Respect à tout l'administration de Kbalimé. Respect à monsieur le préfet, monsieur le maire. Nous sommes à vous, à tout moment. Maintenant, Iba va te parler. Ouais, Iva, tu as quoi pour lui? J'ai quelques questions, mais la réponse serait mensonge ou vérité. Donc tu c'est... n'as pas commenté quelque chose comme ça. Ok, et maintenant ce que tu vas regarder, on appelle ça dans les yeux de Ibanez, tu vas le regarder dans les et yeux. Au même moment tu réponds aux questions. On y va. Ok, mensonge ou vérité. Il paraît que Dice fume en cachette. Mensonge. Ok. Il paraît que Dice prend de l'alcool avant les arrangements des sons. Mensonge. Il paraît que pour faire un feat avec Dice, il faut payer. Mensonge. Il paraît que Dice ne fait pas des sons politiques. Mensonge. Waouh. Il paraît que Dice a plus de 2000 abonnés sur sa page Facebook. Vérité. Il paraît que Dice est déjà fiancé. Vérité. Donc deux vérités et quatre mensonges.
Donc, il paraît que Daïs est déjà reçu par le préfet de Palimé. Mensonge. Ah. Il paraît que Daïs est déjà rentré en cachette, en clash avec les autres beatmakers de Palimé. Mensonge. Ok, merci. Les enquêtes, c'est ces enquêtes, c'est elle qui a fait ces enquêtes. Donc, je crois que tu as combien de vérités ? Deux vérités. Deux vérités et six mensonges. Ok. Ouais. Donc, tu n'as pas bien cherché et il te reste encore fouillé. Non, c'est peut-être il a menti sur certains trucs. Il ne ment pas. Ok. Quelques graines là-bas, hein, parce qu'en fait, si tu fais pas la politique, elle te fait. Ok, c'est ça aussi. Ok. Daïs, ton dernier mot, comment va la musique de Palimé et qu'est-ce que tu as pour les auditeurs et ce qui t'écoutent actuellement? Eh bien, je dirais merci d'abord pour cette invitation. Oui. Et ce fut vraiment un grand plaisir pour moi de répondre à cette invitation. Oui. Et je tiens à saluer toute la population du Grand Cloto. Oui. Et je salue tous mes fans, ceux qui me suivent de près et de loin, ceux qui m'encouragent et qui aiment ce que je fais. Et tous mes artistes qui sont tout le temps avec moi. Merci à vous. Et sans vous, je ne suis pas celui que je suis. Alors, on est ensemble et j'espère qu'on ira loin. Merci à nos autorités aussi qui sont avec nous et qui nous suivent de loin. Et qui doivent aussi faire plus que voilà. La musique de Palimé puisse aller loin. Voilà. Merci à toi, Daïs, d'avoir merci accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous te souhaitons le meilleur. Merci. Et à la prochaine. Bye bye. Jingle. On va nous annoncer le Jingle Challenge. Et c'est maintenant. Le Challenge. Appelle-moi. C'est tout de suite que le meilleur gagne. Oui, le challenger. Je crois que le challenger est là. Aujourd'hui, nous avons que un seul challenger. Un seul seulement, parce que l'autre a démissionné à la dernière visite. L'autre a démissionné à la dernière minute. Donc, il est seul. Il va participer quand même. Donc, ce qu'on va faire, puisque c'est une compétition et on retient que les meilleurs. Nous allons te donner 5 mots. Les 5 mots, tu dois trouver 4. Et si tu trouves 4 mots sur 5, tu seras retenu pour la finale dans peu de temps. Ok, tu vas te présenter encore une fois. C'est monsieur... Modeste. Monsieur Modeste, de quel quartier? Noumé Tikondji. Ok. Tu es prêt? Tu connais la règle du jeu? Oui. Ok. En avant et c'est parti. Si générique peut nous conduire jusqu'à... la finale. Panari. Panari. P. P. A. A. N. N. A. A. R. R. I. I. E. E. Et c'est incorrect. Et c'est incorrect. Panari. P. A. N. A. R. I. S. Le deuxième mot, c'est le mot gel. Gel, tu veux la définition? Oui. Gel permet de fixer les cheveux. Quand ta chérie te dit, je vais faire gel. On y va, gel. Gel. G. G. E. E. Accent grave. Accent grave. On y va. L. 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 E. E. Gel, c'est pas ça, est correct. Et puis gel, c'est G. Ici, mais pourquoi tu le regardes comme ça? Et gel, c'est cri G-E-L. Numéro 3, blues. Blues, vêtements de travail ouverts par devant et qui se portent par-dessus les autres. Blues. Blues. Oui. B. B. L. L. O. O. U. U. S. S. E. Correct. Et acclamez pour lui ici. Ok. Nous allons continuer avec le mot affreux. Affreux. Définition. Oui. Affreux, adjectif. K
qualifie une personne d'une grande laideur ou d'une chose très désagréable, affreux. A. A. 2F. 2F. R. R. E. E. U. U. X. X. Et c'est correct. Nous allons continuer avec le dernier mot pour Modeste du quartier. Nous mettons Kondi. Nous mettons Kondi. C'est votre gars. Billard. Billard. Définition? Oui. Jeu qui se joue avec des boules autrefois d'ivoire, avec des bâtons appelés queues, sur une table garnie de rebords, couvert d'un tapis vert. Bia, ping, con. Bia. Bia. B. B. I. I. Deux L. Deux L. A. A. R. R. D. D. Et bravo. Bravo à Modeste. C'est bien d'être là. Félicitations à toi. Et il a eu combien? 6 points. 6 points sur 10. Il a eu combien? Il a eu 6 points sur 10. 6 points sur 10. Je crois qu'il a la moyenne, n'est-ce pas, Issimi? Ouais. Oh, je pense qu'il a la moyenne. Hein. Et il a eu le courage de passer nous voir aussi. Moi, ouais, c'est ce qui me fait plaisir. Ok, merci à toi. Et tu es retenu pour la finale. Et pas. Merci. Tu as salué qui? J'ai à saluer sincèrement mon prof, Monsieur Akleso. Merci à lui. Oui. Et aussi à mon boss, Safson Afobukozo. Il est déjà avec toi ici. Merci à toi. Oui. Ok, aujourd'hui nous n'avons pas eu de challenger pour le jeu charade, mais c'est pas grave. C'est comme c'est trop dur aujourd'hui. Donc à la prochaine, nous allons relancer ça. Je remercie Issimi Ijoye. Merci Sofson. Merci fidèle auditeur, auditrice. Et merci à notre chouchou Anna Enyadefou. Merci à Anna Enyadefou. Et ici la reine Ibanez. Merci à toutes les branchées de la 95.3 FM, ouais. Planète Plus. Merci à l'invité qui était Dice Brun. Nous sommes très 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 contents de vous, fidèles auditeurs. C'est grâce à vous cette émission se tient chaque samedi à partir de 20h. Merci à Anna Enyadefou. Et nous allons clôturer comme ça l'émission d'aujourd'hui avec ce son IELE sur la 95.3 FM Planète Plus, à la voix du paysan. Au micro, Safson Afobukozo. Contrôle de son, Anna Enyadefou, le son IELE, Abou Essé et Fita. Jack Crazy, IELE sur la 95.3 FM. À la prochaine, Safson Afobukozo. Félim. Yo, il be blessed in you know. We just return back to show them levels. Abou Essé on the microphone. Nkala. Jack Crazy. Zaga. Yele yo, yele yo, awra wa dala beringa bendeng. Yele yo, yele yo, bere ko don da karanga ne minu wandeng. Yele yo, yele yo, awra wa dala beringa bendeng. Yele yo, yele yo, bere ko don da karanga ne minu wandeng. Ibere tere, ivena fad ne danyiro. Inguchina de te nage, dolo fe dama dolinye. Isko bedalamo, begalaman nang betiro. Kanzo se dedan dolinye de bawe na dembege. Zulu blaster gabonetto. Nyambanyo vunyango, gusubodo ete marane betasi.